De longues heures avant l'arrivée, Larrens a vu les amateurs de vélo investir le centre du village. Mais personne n'était en place avant David et sa famille, originaires du Lot-et-Garonne. Ils ne voulaient rien manquer, quitte à attendre très longtemps. Et on souhaitait en profiter, donc on est venu assez tôt, peut-être un peu trop tôt, mais ça fait rien, on profite du soleil de Larrens. Ça là, le tour, c'est dans 5h30. Hein. C'est pas grave, on va patienter avec quelques boissons alcoolisées ou non. Et... Le passage du tour est évidemment un très bon coup économique pour les terrasses du village. Ce restaurateur a enchaîné 3 services à midi, mais sans stress particulier. On ne savait pas à quoi s'attendre, jusque-là ça avait été assez calme. Ouais, il y a du monde, mais moi je m'attendais encore à plus. Donc non, ça va, c'est sympa, mais c'est pas non plus la folie, hein, ça va. L'étape est belle, disputée pleine d'attaques et d'échappées, les coureurs traversent le centre comme des flèches. Au final, le Slovène Rodrič s'impose en solitaire à Larrens. Belle étape et beau village d'arrivée aussi. Très belle organisation de Larrens, je pense. Et vraiment, il le mérite parce que ça fait longtemps qu'il attendait. Pour un petit village comme Larrens, c'est bien organisé. Puis ça amènera peut-être un peu plus de monde. Les hélicoptères qui vont passer, ils vont montrer le pays. Des gens me diront, c'est pas mal là-bas, on va peut-être aller faire un tour. Je suis espagnol, je viens tous les étés, aujourd'hui c'est phénoménal. C'est déjà beau normalement, mais avec le tour en plus, il y a de l'ambiance. Cet événement permet aux spectateurs de découvrir la vallée qui est splendide. Le Tour de France quitte à présent le Béarn, direction le Pays Basque, pour un contre-la-montre demain entre Saint-Pé-sur-Nivelle et Espelette.